va faire le même principe que pour le rouge. Alors, je vais inverser les deux pots de flotte pour pas les confondre. Hop. On va mettre beaucoup d'eau dans le barotte. Hop. On va attirer l'eau qu'il y a autour déjà. J'essaie d'attirer un petit peu de barotte blue à l'écart. Et ça, ce sera le barotte qui a assez de flotte. Hop. Voilà, impeccable. C'est bon, j'en ai assez sur le pinceau. Et comme vous le voyez, le barotte est extrêmement dilué. Donc sur le blanc, ça passe nickel. J'évite juste le centre pour que ça reste blanc. Mais sinon, je le passe partout sur la lame. Bon, à l'écran, ça se voit moyen. Je vais peut-être baisser un peu la colorimétrie. Enfin, en tout cas, la luminosité, déjà. Ce serait pas mal pour une fois. Je suis obligé de baisser. Hop. Ouais, c'est peut-être un peu mieux, là. Ouais, c'est mieux. Vous voyez le bleu? Voilà. Eh ben, c'est exactement le bleu que je veux. Pour une fois. Et la figurine avait été sous-couchée en gray cire. Non, en corax white, pardon. Une bêtise. Puis passer au sèche-cheveux pour faire tenir la peinture plus facilement sur la sous-couche. Et pour qu'elle imprègne beaucoup plus la figurine. Mais des fois, il suffit de pas grand-chose hein, pour avoir un bel effet. Hein. Et après, il suffit de faire des passages multiples. C'est pour ça que l'aérographe est un bon ustensile pour faire une partie de la figurine avec une sous-couche, puis faire une autre partie en préservant le reste. Ça aide. Bon là c'est pas de l'aéro hein, mais j'avais sous-couché toute la figurine. Alors c'est du Barotte Blue, c'est du Edge, mais maintenant il existe en layer. Donc c'est directement un pot de bleu, très très clair. Et donc là je refais un passage. Oui, c'est Games, ouais, tout à fait. C'est con, il y en a qui sont allés se coucher avant d'avoir vu cet effet. C'est dommage, hein. Non, non, je vais assombrir. Bah après, t'as plein de techniques pour faire des lames de glace. Je sais pas si je l'ai mise sur YouTube, la technique pour les custodes. Il me semble pas. Mais pour faire des lames de glace, en fait, la meilleure technique, c'est de partir sur une sous-couche noire. Donc vraiment de sous-coucher ta lame en noir. Ensuite, de la brosser du plus clair jusqu'au plus sombre. Je dis une connerie. De la brosser avec une couleur intermédiaire bleue, puis jusqu'au blanc, en laissant des petites rayures à l'intérieur. Et ensuite, tu fais de nouveau un... Si tu as envie, tu fais un vernis. Et par-dessus, tu refais un passage de blanc. Comme ça te vernit la glace. Et en dessous, ça te laisse apparaître... ça te laisse apparaître le noir, la profondeur de la glace. Ça marche très bien, notamment sur les Yeti, par exemple. Parce que c'est très difficile sur les Yeti de donner un effet de transparence à leur masse, qui sont en glace. Et ben c'est un des meilleurs effets qui marche dessus. Donc là, je le passe sans flotte. Juste pour avoir la couleur du barotte qui se reflète sur le manche.
en laissant bien évidemment la partie basse hein, avec la couleur qui a servi à faire le manche. Comme ça donne un petit effet de contraste quand même. Bah tu peux faire pareil. Tu peux faire exactement pareil, oui, il n'y a aucun souci. Ça marche très bien. Tu as un vert équivalent qui s'appelle le Ghost Blaster Green. Donc tu peux très bien faire ça. Et pas avec du médium, hein, vraiment avec de l'eau pour désaturer justement. Ce qu'on cherche là, c'est vraiment à désaturer. On cherche pas à garder la texture de la peinture. Pas sa saturation. On cherche vraiment à donner des endroits où il n'y a pas de peinture. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais encore l'appliquer. Mais seulement à certains endroits, donc genre là. J'augmente la profondeur. Toujours la version avec beaucoup d'eau. Hein. Si vous gérez bien, il n'y aura pas de bulles. Donc il n'y aura pas d'effet de d'endroit où l'eau va stagner et va former une espèce de bulle disgracieuse hein, sur la figurine ou sur l'arme que vous voulez faire. Le médium, c'est une partie intégrante d'une peinture. C'est-à-dire que plus tu mets du médium dans un pigment, et plus il sera liquide. C'est ce qui en fait justement de la peinture. Et pas uniquement une couleur qui est en forme de poudre. Donc en gros, si tu veux une couleur qui n'a pas beaucoup de médium, ça va être tout ce qui est les pots de dry chez Games Workshop, chez Citadel. Les pots, ensuite, ça va être les pots de base. Ensuite, ça va être les pots de layer. Et les plus fins, ça va être les shades qui, eux, vont être complètement... Si tu veux un parallèle... Je vais exagérer le truc, mais si tu veux, par exemple, ta couleur dans un pot de dry, donc dans un pot de brossage à sec, tu vas avoir un de pigment pour 0,1 de médium. Pour une peinture de base, tu vas avoir un pour un. Pour un layer, tu vas avoir un pigment pour deux de médium. Pour une peinture de type shade, tu vas avoir un pigment pour 100 de médium. C'est pour ça que c'est extrêmement dilué et extrêmement fin. Donc en gros, c'est aussi des peintures, mais qui sont extrêmement diluées. J'ai fait une exagération parce qu'il y a des tas de produits chimiques hein, qui rentrent dedans voilà, pour faire le calcul, le machin, pour avoir la bonne proportionnelle. Mais en gros, c'est ça. Et donc là, je viens de rajouter du Stegadon Scale Green à l'intérieur. Et là, je vais faire un côté de la lame sur deux. Et petit à petit, en fait, quand je vais faire cet effet-là, je vais aller de plus en plus vers le bas de la zone en faisant des petites couches pour éviter justement cet effet de bulle. Alors, c'était ici. Donc, je commence par le bas. Je remonte justement pour enlever cet effet de bulle à cause de la gravité. Hop. On n'insiste pas trop. À force d'insister, en fait, on laisse trop de peinture. C'est déjà quasiment sec de ce côté-là. Et donc, du coup, petit à petit, je vais rajouter du Stegadon dans mon mélange avec le Baharot. Je vais quand même continuer à être très liquide.
Et là, je descends. Non, non, pas de brossage, faut faire des lignages. Tu fais un brossage, enfin, il faut mieux pas faire de brossage et faire plutôt des lignes blanches à la main si tu veux un effet glacé. Là, je vais pas chercher à avoir un effet glacé vraiment. Je veux plus que ça fasse une glace style cristal plutôt qu'une glace bah, comme sur mes custodes Warden. Hein. Je les ai mis en photo d'ailleurs sur mon Instagram, ceux-là par contre. Hop. Et on recommence encore une fois. Et on n'ira pas plus loin. Le mieux est l'ennemi du bien. Il faut toujours se le rappeler en peinture. Ah, c'est bien Epic Game Store qui me rappelle qu'il y a moins 75% en ce moment. Et puis, on branle. J'ai acheté tout ce que j'avais à acheter. On peut pousser cet effet jusqu'à beaucoup plus loin, bien sûr, mais ça sert pas à grand chose. Parce qu'après, voilà, c'est dégueulasse. Hein. Donc là, ce que par exemple je peux faire, c'est que je peux faire l'inverse. C'est que du coup, je peux pousser le bleu vers le blanc. Donc le Baroque Blue, je peux le. Comme j'ai de la peinture sur ma palette, j'en profite. Je peux utiliser du White Scar pour éclaircir. Le bleu très clair. Je rajoute du White Scar juste au-dessus, là. Si mon pot pouvait se fermer correctement, ce serait cool. Il est nouveau en train de sécher, là. Putain. Oh là là. Je crois que c'est Tim qui m'a prêté ce pot, mais bon. Heureusement que j'en ai racheté. Merci à lui, mais... Là, il commence à morfler le pot. Hop. Voilà. Je vais quand même nettoyer le pinceau parce que j'ai trop de peinture dessus. Et là, on fait l'inverse. Ici. Et j'y vais vraiment très légèrement. Pas insister. Faut pas insister quand vous faites des... Des éclaircissements, faut y aller tout doucement, faut en faire plein. Plein d'éclaircissements. L'assombrissement, c'est facile. C'est très simple d'assombrir. Suffit d'être plus sombre, ça passe. Parce que justement, plus la couleur est sombre, plus elle va recouvrir la précédente. Mais quand vous faites quelque chose de clair, c'est pas aussi simple. Ça demande plein de couches différentes pour bah déjà couvrir celle d'avant. Et ben préparer celle d'après. Hop. Hein? Même me préparer un petit effet de givre, vous savez quoi? Préparer l'effet de givre. Surtout que ça, normalement, hein, c'est pas la pointe de sa lance. Hein. J'ai fait une conversion dessus, donc en plus d'avoir changé la tête pour mettre une tête de Space Wolf, je lui ai en plus mis une lance du chaos. C'est sympa. Salut Onogal, comment vas-tu? Hop, on va faire le contour. Le centre. Voilà. Et là, rien n'empêche effectivement de faire un effet si on veut que ce soit glacé. Je vais quand même le faire finalement, l'effet glacé. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire une sorte
de lignes non droites dessus pour montrer que c'est un petit peu glacé. Pas prendre trop de peinture, hein, bien sûr. Je vous ai déjà dit, hein. Le mieux est l'ennemi du bien. Pas trop insister. Hein. Ah bah ouais, quasiment un an plus tard, effectivement, bah GG. Et tant que tu commences avant la fin des temps avec l'apocalypse zombie, bah écoute, t'es toujours dans la bonne zone. Hein. Merci Bright Star Love pour ton follow. If you're English, thank you very much, Bright Star Love. Voilà, on va pas trop insister dessus, hein. On fait juste quelques petits traits comme ça et surtout ne pas les faire sur la zone sombre. Parce que le blanc ressort très très mal sur la zone sombre. C'est naturel, hein, c'est pas ça le truc. Ici. Qu'en décembre, d'accord. Ah mais il est jamais trop tard. Tant que je suis en live, c'est qu'il n'est pas trop tard. Merci beaucoup à toi. Bienvenue dans cette communauté de tarés, hein. S'il reste encore un modérateur debout, c'est déjà un miracle. Et ça m'étonne qu'il n'ait pas accueilli les gens avec l'émote qu'il se doit, la larme, la fameuse. La fameuse alarme d'accueil. Celle-ci. Lowen est encore en vie. Ah voilà, on a fini la lame. Francis la lame. Pas mal pour une lame qu'on a fait en quoi? 10 minutes. 10 minutes chrono, je vais couper la vidéo et je ferai juste la lame. Voilà, je mettrai la lame sur... Non, c'est pas héhéhé, c'est... Voilà. Voilà. Pour une lame qu'on a fait en 10 minutes. Ça va très très vite, hein. C'est pas une technique de ouf. Hein. Mais voilà. Pas une technique de ouf. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps.